côté Balandia Congo dirait que TV officielle, il y a vos nangai Arnaud Nvou, ma 500 mégapixels, réalisateur noble. Voilà, un blanc sur mon tenue, Sandrine Mongoza, la valeur de la presse congolaise, la cadre Moussala. Tout ça quelque part dans la ville de Kinshasa, vraiment, on a pu tous les de partout dans le monde. Merci parce que vous continuez à vous abonner pour continuer à vous l'émission. Tout ça quelque part dans la Kinshasa, tout est l'autre, que tu es un ming qui invité ma papa, ma maman, et l'autre, tu es un papa, impressionnant par rapport à mes parents, à mon papa, ça. Tout le but que tout profite de ça, les lots ont un peu différent par rapport à on se trouve au côté de la site. Alors, première émission, il y a un autre, il y a champion Dieu et Ding. Boyebi, à sa fierté, Boyebi déjà, papa a dit, papa, y a star. T'es un petit peu de deux belles, non, une jeune fille et un jeune garçon autour sur là. Pendant au moins 20 à 25 minutes au cours de l'émission. Je commence par la fille, par la grande. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Genevieve Maera Edingwe. Oh, avec Edingwe à la fin. Comme ton grand-père. Oui. Tu parles lingala aussi? Non, pas du tout. Maïra, oui. Ça va? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va aussi. Je vais saluer, dire bonjour à qui? Comment je t'appelle d'ailleurs? Light. Nad. Light. Light. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Lumière. Lumière? Oui. Qui t'a donné ce nom-là? Maman. C'est ta maman? Oui. Que je salue, parce que comment elle s'appelle? Maman Jamie. Tu étudies? Petit lutin. Petit lutin, quelle classe? Deuxième. Deuxième. Comment ça se passe à l'école? Bien. Bien. Tu étudies, tu bats les amis là-bas, tu fais des catchs comme ton père? Non. Non. Toi, tu es docile, tu es très tranquille à l'école? Oui. D'accord. Je reviens sur la grande fille. Yaya, comment ça te fait de savoir que ton père est un champion de catch? Déjà, ça me fait énormément plaisir parce que je suis fière de lui et de voir qu'il nous montre un très bon exemple. Du coup, on n'a qu'à suivre. C'est vraiment une fierté pour moi de savoir que mon papa est une star, mon papa est un homme fort, mon papa est puissant. Voilà, ça me fait plaisir. Ça commence déjà par ton grand-père. Ton grand-père est un star aussi, non? Quand tu le vois en train de faire des histoires, ces histoires-là qui font peur aux gens, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu te dis? Après, moi, ça me fait rire, hein, mais ça me fait rire, mais en même temps, je suis fière de lui. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est fou, mais c'est magnifique quand même. Voilà, et moi, je suis fière de lui, quoi qu'il arrive. Son parcours de sa jeunesse jusqu'à présent, et tout ça, moi, je suis fière de lui. On ne te provoque pas à l'école qu'il y a ton grand-père qui fait des histoires un peu mystiques, un peu spirituelles? Provoquer, je veux dire, c'est un peu un grand mot, mais je pense que ça, c'est un peu quelque sorte de rigolade, mais rien de bien méchant. C'est, voilà, ils rigolent avec ça, mais après, ils sont aussi fiers d'avoir quelqu'un comme moi à l'école, je pense. Ah bon? Oui. Toi, tu n'as pas peur de ça? Quand il fait sortir du feu, ça ne te fait rien? Non. Parce que moi, j'ai déjà assisté hein, à ces combats, plusieurs de ces combats. Bah non, c'est la famille, je vis dans ça. Je me suis adaptée. Voilà, ça ne me fait plus rien. Tu as déjà fait un tour chez ton grand-père à la maison, ma tété? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Carrément. Il ne te donne pas des coups de tête dans le vide? Mais non, là c'est en dehors, là c'est son métier en dehors de la famille. Chez nous, c'est un grand-père respectueux, un grand-père qui a de valeurs, il nous inculque ses valeurs et voilà, nous on n'a qu'à suivre. C'est pas comme s'il nous dit vas-y, donne des coups de feu ou vas-y, donne des coups. Non, non, chez nous il est bien, il est carré et tout ce qui va avec. Tu étudies où c'est? Au cours Senec. En quelle classe comme ça? En cinquième littéraire. Littéraire, tu vas être juriste, avocate ou? Magistrate. Magistrate. Pourquoi ça? Bah, défendre ton grand-père et ton père et ta maman. Exactement, exactement. Au cas où quelqu'un de ma famille a besoin d'aide, bah, je suis présente. Ah bon? Oui.
D'accord. Yaya, oui. Même question avec ta grande sœur. Quand tu étudies à l'école là-bas, tu ne bats pas les gens et ça ne te fait pas peur que ton père fasse des histoires spirituelles? Non. Non, tu ne veux pas être comme lui? Non. Toi, tu veux être qui alors? Docteur. Je veux faire notre chauffeur. Champion, on aura petit nazolo, champion. Ah bien, on a un chauffeur. Je sais, on a un nabousala, on a un voilà, qui a soufflé. On a un pilote, mais ce qu'il y a, on a un chauffeur. Ah bon, on a un pilote, il y a un chauffeur. Pourquoi chauffeur, il y a pourquoi chauffeur? Parce que quand quelqu'un veut marcher à pied, le chauffeur vient leur prendre, il leur amène. C'est ce que toi tu vas commencer à faire, à aider les gens. S'ils veulent marcher à pied, tu vas les aider. Avec ta voiture? Oui. Ah bon? Mais il y a ton père déjà qui m'a dit que tu seras pilote. Tu ne trouves pas ça un peu décevant de ta part? Oui. Tu le déçois, non? Oui. Et pourquoi toi tu veux pas devenir pilote comme le veut ton père? Le petit un peu honte. À ce moment-là, le bâti à moi, qui bon, tu es barané tout le bisseur, le bakaka. Voilà. Yaya, tu parles français et anglais. Pourquoi? Où est-ce que tu es né comme ça? Bah, je suis né ici, mais après j'ai grandi en Afrique du Sud et voilà, j'ai quand même voyagé dans des pays. Après, on est là au Congo. Ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans. Seulement 3 ans? Oui, 3 ans. Et comment tu trouves Kinshasa? Parce que tu as quitté ça il y a plusieurs années déjà. Bah, c'est vrai que ça a changé depuis le temps, ça a changé, ça s'améliore. On va dire que ça s'améliore. En quoi? Bah, déjà la civilisation, les routes et les sites touristiques, les malls, ça s'améliore quand même. C'est une bonne chose. Voilà. Comme ta mère n'est pas là, tu peux savoir combien d'années tes parents ont déjà fait pendant qu'ils sont ensemble. Je sais vraiment pas, mais je crois que c'est 17 ans, parce que je pense vraiment c'était avant ma naissance, en tout cas, vraiment longtemps, quand ils étaient encore au lycée, donc... C'est un amour de longue date. De longue date, amour scolaire. C'est déjà ton âge, non? Tu as quel âge? 17 ans ou 16 ans? 16 ans. T'as 16 ans? Oui. Grande fille déjà? Oui. Tu vas te marier bientôt? Ah non. D'abord les études. Les études, ensuite le travail, après on va voir après. Ok. J'ai oublié le nom, c'est comment déjà? Light. Light, ok, lumière. Mais il y a ton père qui m'a dit que tu aimes avoir des pouvoirs. Non. Non. Tu ne peux pas avoir des pouvoirs comme lui. Non. Toi, tu es un garçon, non? Tu devrais normalement suivre les traces de ton père. Oui. Tu ne peux pas être catcheur? Non. Non, tu veux être seulement chauffeur? Oui. Et s'il y a une personne qui te provoque, qu'est-ce que tu pourrais lui faire? Je vais le taper. Tu vas le faire? Tu vas le taper? Comment tu vas faire? Essaye d'abord un peu, comment tu vas faire? Tu vas lui lancer des coups, des pieds, des mains. Comment tu vas faire? Le lancer des mains. Ah, essaye un peu, ici, on va voir. Il y a ton père qui te regarde. Avec ses fans, tous ses fans. Et c'est comme papa fait. Tu n'as jamais été à son entraînement? Non. Non? Oui. Et c'est comme tu vas à la télé seulement. Essaye un peu. Tu veux pas? Yes, Mamba. Essaye, non? Tu vois, il y a maman qui te fait signe. Essaye. Voilà. Voilà moi la championne. Il y a évident il y a des nings à mon kilié. T'as la bête à tili. Ah vous allez nani? On ninga na. Il y a encore qu'on est pas assez lax. Besoin de va signer nini. Bah ça la meilleure bien ça non goûte. Je ne peux pas bien. On a coulé ça avec été. Moi on fait ça magistrat. Moi on fait ça la pilote. Donc le coup y a pour ne qu'un on a. Yeah yeah moi là indi vient là. Mais l'ingu moi là ne va très souhaiter. C'est égoïste champion. On a tout sur la carte. Voilà. Je retourne chez toi. Qu'est-ce
qu'est-ce que je peux encore te poser comme question? Si tu avais ta fille aujourd'hui et qu'elle épousait un catcheur, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, en dehors, si peut-être j'étais en dehors de la famille des catcheurs, si j'étais en dehors, bon, c'est vrai qu'au début, je le prendrais mal. Mais après, si elle aime le mari, bah voilà, l'amour remporte tout, qu'elle assume, qu'elle ne vienne pas pleurer chez moi, en tout cas, qu'elle assume là-bas et c'est tout. Parce qu'elle a fait son choix, je ne vais pas l'imposer ce que je veux, je le laisse faire son choix et ma fille sera assez mature pour savoir...